Ouais, j'aimerais beaucoup, beaucoup cette citation que je dis souvent, c'est, eh bien, je la perds à chaque fois. Je couperai ça au montage. Bienvenue, cher designer, dans cette nouvelle étude de cas dans laquelle on va faire un gros point sur un élève qui vient juste de finaliser la formation, Romain. Romain, il est dans un contexte particulier parce qu'il faut savoir que dans cette formation Logomaker Skills, vous avez des personnes qui sont complètement en départ, en lancement d'activité, des personnes qui n'ont jamais touché à Illustrator, ou en tout cas très peu à Illustrator. Vous avez des personnes qui sont là depuis plus de 15 ans et qui viennent se spécialiser encore plus, rentrer en profondeur. Et là, eh bien, on a un cas particulier parce que justement, quand je commençais à faire le point sur la formation avec Romain, et là, mea culpa Romain, parce que j'ai pas bien relu le départ de la formation, parce qu'en général, vous me laissez des petits commentaires pour me dire quel est votre suivi, votre background. Et moi, j'avais vraiment en tête que Romain était quelqu'un qui déjà, eh bien, ça faisait pas mal de temps qu'il était en activité et que justement, c'était plutôt un profil type j'ai plutôt 10 années d'expérience et j'approfondis mon savoir-faire. Et en fait, en discutant avec Romain, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Romain, Pas du tout. il va nous expliquer justement son parcours et je te laisse te présenter, Romain, justement. Bah oui, bah du coup, je m'appelle Romain et je suis du coup ingénieur informatique. Je suis en pleine reconversion professionnelle, donc j'ai arrêté mon travail il y a quelques mois et là je me suis lancé dans la formation parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait peut-être moyen d'obtenir des informations super importantes pour se lancer dans le graphisme. D'accord, donc voilà, donc il est en reconversion professionnelle, il n'a du coup ça fait combien de temps que tu mets les mains sur Illustrator à peu près? Avant j'en faisais déjà Ouais. de manière totalement amateur, mais voilà, j'y passais peut-être 1 à 2 heures par semaine grand max, voilà, pas plus, alors qu'aujourd'hui, là, depuis 3 mois, on va dire, j'en fais quasiment tous les jours plusieurs heures, donc c'est pas du tout la même chose. Donc ton premier logo, concrètement, un petit peu plus, on commence à approfondir, tu l'as fait, tu as commencé à le faire il y a 3 mois. C'est ça, Bon. ouais, Eh bien, avec. en tout cas, d'ailleurs, je vais vous montrer en même temps, je vais passer à l'écran directement le travail de Romain pour vous montrer un petit peu son parcours. Et ça, je le ferai au montage, mais vous allez le voir directement maintenant. Romain, du coup, je vais te poser la question suivante, c'est ben, quel blocage tu as rencontré? D'accord? Avant d'entendre la formation, pourquoi est-ce que tu as voulu approfondir cette partie justement de création de logotype? Alors moi, mon plus gros problème, c'est vraiment d'avoir des bases solides sur lesquelles je pouvais me reposer. Je regardais un peu des tutos sur Internet comme ça, mais je sentais que ça ne me donnait pas suffisamment d'informations pour vraiment être un graphiste professionnel qui pouvait donner justement une prestation professionnelle vraiment haut de gamme. Et voilà, moi, je cherchais vraiment quelque chose de bien au-dessus. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur ta formation. Et voilà, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là. Manque un petit peu de profondeur peut-être dans ce qu'on peut voir directement sur Internet. Exactement. Bah, c'est bien normal, hein, quelque part. La profondeur se trouve très souvent dans le payant. En fait, quand je me suis lancé en tant que graphiste aussi, ma démarche était de me dire, la base d'une identité visuelle, c'est vraiment le logotype. Donc si je ne sais pas faire un logotype qui est vraiment bien structuré, comment je vais pouvoir après devenir un graphiste bon, en fait, c'est vraiment la base, en fait. Si tu ne sais pas faire un logotype, bah tu peux pas dire que tu es un graphiste, en tout cas vraiment dans l'identité visuelle. Bien sûr, c'est vrai que c'est une prestation de base, d'ailleurs qui a été maintenant tellement, c'est tellement la prestation de base que tous les designers font des logos et on retrouve de tout, des logos à 5 euros, des logos gratuits, le logo que le cousin il va vous faire, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus d'ailleurs maintenant? Comment est-ce que tu perçois la création de logotype par rapport à ce que tu as pu voir autour de toi? Bah déjà, la valeur du logo aujourd'hui a totalement changé à mes yeux. C'est vrai que pour moi, un logo à 100, à plus de 100 euros, déjà, ça me paraissait mais totalement énorme. Je me dis, mais 100 euros un logo, oh là là, mais qui met 100 euros? Et en fait, en sortant de la formation, presque ça me paraît normal de voir des logos qui sont payés à plus de 10 000, 20 000 euros, même par des grosses boîtes, on commence à compter en centaines de milliers d'euros. Parce qu'on sait derrière tout le travail qu'il y a eu pour en arriver là. Et voilà, faut pas faire les choses au hasard, tout simplement. Ouais, il y a beaucoup de choses en effet qui permettent
De structurer, d'aller en profondeur dans cette technicité. Alors, juste précise bien, la formation n'est pas là pour vous apprendre à vendre des logotypes à 10 000 euros, non. etc. Non, non. Elle est là pour vous apprendre à avoir les compétences techniques pour pouvoir prétendre à cette approche-là. Elle n'est pas orientée marketing, mais elle est orientée purement compétences techniques. Et d'ailleurs, en parlant des compétences techniques, quel est le truc que tu retiens justement en termes de création de logotypes que tu devrais donner à quelqu'un aujourd'hui? Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un en création de logotype? En vrai, tout est super important. La chasse des lettres, je dirais, c'était un truc auquel je faisais vraiment pas du tout attention. Choisir une bonne typographie, déjà de base, juste choisir une bonne typographie qui est bien structurée, avec voilà, tout ce que tu nous as donné, la loi de la statue, savoir est-ce que du coup la chasse des lettres sont bonnes, voilà, et puis après bah, tout, gérer toute l'approche entre les lettres pour qu'on ait quelque chose de bien lisible. Pour moi, c'est vraiment la base, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir lire le nom et qu'on va pouvoir le mémoriser. Avec le recul, qu'est-ce que tu fais désormais différemment? Tu avais fait des logotypes un petit peu avant d'entrer dans la formation? Un tout petit peu, mais voilà, de manière totalement amateur. Voilà, c'était des logos, on peut dire, totalement clichés. Voilà, je savais pas vraiment ce que je faisais. Et voilà. Si tu as créé un symbole, une typographie pour un logotype, quel est le truc que tu vas, sur lequel tu vas mettre ton focus pour que ce soit vraiment au top du top? Mais déjà, de base, quand on crée un logo, bah, c'est ce que toi, tu nous expliques dans ta formation, c'est de faire un brainstorming et aussi d'utiliser la méthode Bridge pour vraiment aller chercher au plus loin le bénéfice émotionnel, comme tu dis, qui est super important pour pouvoir bah, justement toucher cette partie limbique du cerveau et pouvoir toucher aux émotions et justement insérer cette petite graine dans le client ou le consommateur pour que plus tard, il puisse passer à l'action. Si vous basez votre brainstorming sur cette partie-là, inconsciemment, en effet, le consommateur derrière va passer à l'action sans tellement s'en rendre compte. Vous êtes un peu des magiciens quand vous avez fait cette technique-là, mais c'est vrai que c'est tellement important. Et vous évite de tomber dans les clichés. Enfin, bon, je répéterai même pas ce que les personnes ont pu voir justement d'ailleurs dans le webinaire de présentation, hein, qui vous apporte déjà une base de ces choses-là sur lesquelles on rentre un peu plus en profondeur naturellement dans la formation. C'est quoi la différence justement entre Romain avant la formation et Romain après la formation? Bah tout, hein. En niveau graphisme, il n'y a rien à voir. C'est juste un niveau au-dessus, en fait. C'en est un tel point où je vois des graphismes très expérimentés, où je juge leur logo et je vois qu'aujourd'hui, je suis déjà au-dessus d'eux. Alors, pas en laissant le côté esthétique vraiment totalement de côté, mais d'un point de vue structure et cohérence, pertinence, je suis vraiment bien au-dessus. Donc, voilà. Si vous hésitez, parce que je sais que tu vas me poser la question, donc je peux dire maintenant, mais si vous avez la formation, même si vous avez plusieurs années d'expérience, il n'y a même pas de question à se poser. Enfin, aujourd'hui, sur le marché français, moi j'ai cherché sur Internet, il n'y a rien de ce niveau-là sur Internet. Vous ne trouverez pas mieux. Ouais, c'est adorable. Et au-delà de ça, je ne l'ai pas payé hein, pour qu'il dise ça. On est bien d'accord, je ne l'ai pas payé pour qu'il dise ça. En plus, c'est vrai. Sachez-le. Il est vrai que la méthode Acquitive Design, de toute façon, mais elle sort de chez moi. Elle ne vient pas d'ailleurs. Et si vous la revoyez ailleurs, c'est qu'elle a été vendue et pompée. Récupérée et revendue et pompée. Écoutez, en tout cas, je suis très heureux d'entendre que voilà, des personnes comme Romain arrivent à aller beaucoup plus loin dans cette approche design graphique. Je me rends compte que je parle très souvent de réflexe créatif et quand j'entends dire que derrière maintenant, quand tu vois que des designers qui sont là depuis 10 années ou même plus parfois se rendent pas compte de certaines choses, maintenant toi tu t'en rends compte, quelque part tu as aiguisé ton œil, et c'est ce que je veux vous inculquer, c'est que de toute façon c'est pas une méthode magique, il n'y a rien de magique. Par contre, c'est de la logique visuelle. Et quand on a compris par A plus B comment ça marchait, derrière, on a l'œil qui s'aiguise, parce qu'il y a pas mal, il y a plein de micro-critères qui, au fur et à mesure du temps dans la formation, font que vous vous rendez compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, voilà. Donc c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, j'aimerais beaucoup, beaucoup cette citation que je dis souvent, c'est « Eh bien, je la perds à chaque fois. » Je couperai ça au montage.
Je dis souvent que la subjectivité naît de la paresse à décoder le concret. Et pour moi, c'est tellement vrai, c'est une réalité tangible. Quand vous rentrez dans cette formation, ça vous permet justement d'avoir un objectif beaucoup plus tangible et de pouvoir dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et de ne pas dire que c'est subjectif, on aime ou on n'aime pas. Voilà, tout simplement. Ouais, exactement, exactement. Voilà, tu viens de tout résumer. Bah, écoute, parfait. Bah, je te remercie, Romain, pour ce témoignage. Bah, merci à toi, surtout. Avec grand plaisir, avec grand grand plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent rejoindre la formation, bien évidemment, tout se passe sur cette page ou en dessous, dans les liens qui sont dans la description, peu importe où sera postée cette vidéo. Et je vous dis à très vite, chers designers, dans la formation, bien évidemment. Ciao. Ciao.